Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, bien-être spirituel, on va voir tout ce que je peux partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Tiens, on va prendre un précieux conseil, message des anges que vous allez recevoir aujourd'hui. Santé, bien-être spirituel. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour toute votre participation, présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Et on y va sans tarder. Je prends le tarot des anges gardiens, et on va découvrir le précieux conseil, message, encouragement que vous avez à recevoir aujourd'hui. C'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler et c'est normal. Donc message carte et après je partage mon écrit. On va les zoomer au niveau de la santé, du bien-être, du spirituel d'une personne. On va voir tout ce que je peux partager avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Celui-ci. Alors, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Je partage. Alors, aujourd'hui, je peux avoir aujourd'hui une personne qui peut avoir pour moi des difficultés. Alors, comme je le dis toujours, hein, ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne que vous connaissez, une personne de votre famille. Voilà, des fois, c'est pas forcément que pour vous non plus, mais vous pouvez entendre le message et vous faire penser peut-être, voilà, à votre papa, à votre maman, à un frère, une sœur, voilà. Alors, c'est du général, hein. Vous faites bien preuve de discernement. Donc ici, je peux avoir une personne qui peut avoir des difficultés à avaler, d'accord? Je peux avoir une personne qui... Donc ça peut être vous ou quelqu'un que vous connaissez. Je peux avoir une personne qui a donc des difficultés à avaler. Je vois que vous allez réussir à remanger. Je vois que vous allez pouvoir réussir à remanger aussi, à pouvoir déglutir. Sans gêne, peut-être que vous avez une gêne, ça vous gêne. Je vois que vous allez remanger aussi. Vous allez remanger au centuple. Parce que peut-être le fait... de moins bien déglutir. Des difficultés à avaler. Pour moi, vous... Ça peut occasionner aussi des pertes d'appétit. Donc là, je vois que vous allez remanger. Ou alors, pas de perte d'appétit, vous avez très faim, c'est l'inverse. Vous allez remanger au centuple. J'ai un miracle, hein. Un miracle sur votre situation. Je vois que vous allez reprendre un très bel appétit. Et de reprendre tout ce très bel appétit, de pouvoir ne plus avoir de difficultés à avaler. De déglutir sans gêne, de remanger au centuple, c'est un rêve. Et là, il y a un miracle. Il y a un miracle pour que vous puissiez réaliser ce rêve. Et d'avoir un très bel appétit. Voilà, voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. Je vous le souhaite. C'est un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux mercredi. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt, belle journée!